Bien, je suis content d'être là. J'espère que vous aussi, vous êtes ben, contents d'être là. Ouais, nous aussi, on est que tu sois là. Ça fait vraiment plaisir. Parce que, euh, juste avant juste de vous parler de la démocratie, parce qu'on m'a saoulé euh, dimanche soir en me disant alors, vous êtes déçus gna, 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 gna. Hein Non, non, on n'est pas déçus. On avait dit que la gauche serait de retour dans l'hémicycle régional. Elle sera de retour dans l'hémicycle régional. On avait dit qu'on ferait mordre la poussière à cinq ministres du gouvernement. On l'a fait. On avait dit qu'on ferait reculer le Rassemblement national. On l'a fait reculer. Donc je suis content, heureux, ravi, enchanté d'être là ce soir. Ouais, je, suis, je suis vénère quand je suis content. Bon, c'est moi. Désolé. Euh, c'est important vraiment qu'on qu qu parle de cette implication citoyenne et démocratique parce que quand on sort de, de 70% d'abstention, et c'est pas la première fois qu'on sort de 70% d'abstention, ça commence à être une rengaine, euh, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on s'interroge sur les pratiques politiques parce que c'est pas vrai que dans ce pays, les abstentionnistes sont des gens qu'on n'ont rien à faire ou qui sont « je m'en foutiste » ou qui sont là en mode oh, « la politique, euh, non, c'est pas pour moi » souvent, quand on les interroge, ils nous disent « Non, c'est pas qu'on n'en a rien à faire, c'est qu'on a l'impression que c'est pas notre affaire. Que c'est un truc de politicien, euh, que c'est loin de nous, qu'on n'y a pas notre place, on n'y a pas notre mot à dire, que vous nous faites déplacer une fois tous les six ans, euh, en espérant qu'on vienne, et puis au revoir, bye bye, ciao. » Ça, c'est vrai que Xavier Bertrand, il n'a pas beaucoup mobilisé les habitantes et les habitants des Hauts-de-France pour conduire sa politique. Il a fait tout seul dans sa tour d'ivoire, là-bas, euh, ces, ces, ces machins, euh, ces dispositifs Proche Emploi qui sont d'abord de la com et que de la com en fait, euh, en réalité c'est ça la vérité euh, ou euh, les, les, les histoires de véhicules aussi pour aller trouver son emploi où on a remarqué qu'en fait il y avait que 200 ou à 300 personnes qui avaient droit euh, on est quand même quelques millions dans la région hein, donc euh, les rois de la com et nous il faut qu'on substitue à ça l'implication citoyenne concrète et directe il y a dans la loi un truc qui s'appelle les référendums locaux. C'est quasiment jamais utilisé. C'est assez extraordinaire. Eh bien, avec Karima Deli, à la tête de la région, on fera des référendums locaux. On a dit qu'on ferait aussi des conventions citoyennes. Alors, pas les mêmes exactement que celles de, de, du président de la République. Enfin, quoique, sur la forme, moi, ça me va bien de réunir des gens tirés au sort sur des sujets d'importance majeure. Sauf qu'à la fin, ce qu'ils nous proposeront. C'est ça qu'on soumettra à l'Assemblée régionale, pas un machin trafiqué comme ils sont en train de nous faire à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ça a été dit par le collègue sénateur tout à l'heure. On a dit aussi qu'on impliquerait qui Les lycéens. C'est une compétence de la région, les lycées, et nous avons les moyens de les mettre en dynamique, surtout que nous sommes un certain nombre à proposer qu'il puisse y avoir, alors ce n'est pas la région qui va le décider, mais le droit de vote dès 16 ans. Et c'est l'apprentissage de la démocratie. Euh, ça s'est fait là, moi je blague souvent, on me disait quand est-ce que vous avez commencé la politique Alors je dis, je prends un air inspiré comme ça, j'ai commencé ma carrière au lycée comme délégué de classe. Et eh oui, mais oui, mais c'est là aussi que ça commence. La vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on prend quelqu'un, qu'on le met en responsabilité, à goûter, il est plus conscient. Et quand on est plus conscient, eh ben, on s'investit, on s'implique, et on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait, pourquoi c'est utile, à quoi ça sert. Et ça sera notre responsabilité demain, avec des politiques régionales d'implication citoyenne directe et concrète, un droit de pétition, qu'on puisse mettre à l'ordre du jour des sujets de l'hémicycle régional tous ces outils de démocratie directe qui feront la force de Karima Deli, de la liste pour dimanche prochain. N'oubliez pas, je vote Karima Deli. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup à Hugo Bernalicis. Merci beaucoup Hugo.